Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On commencera aujourd'hui le deuxième cours en ce qui concerne la production écrite dans la première année baccalauréat, le texte argumentatif. La dernière fois, on a vu comment faire la totalité de la production en 8 étapes. Aujourd'hui, on va voir seulement l'introduction avec un exemple à la fin. Alors les étapes, les deux premières étapes, quand je suis en examen régional, qu'est-ce que je fais? Je lis attentivement et à plusieurs reprises mon sujet. Alors, 2, 3, 4 reprises jusqu'à la compréhension. Et deuxième chose, isoler les mots-clés. Alors, souligner. Alors, vous avez un stylo, vous avez la feuille que vous allez garder vers la fin. C'est votre feuille, bien sûr, la feuille de l'examen. Vous pouvez, bien sûr, souligner et colorier, entourer, faire des cadres, etc. dans votre feuille pour, bien sûr, marquer les mots les plus importants. Alors, le sujet que je propose aujourd'hui, c'est celui-là. Alors, je vais lire le sujet. Certaines personnes pensent que la femme marocaine devrait rester au foyer pour s'occuper de sa maison, son mari et ses enfants. D'autres, par contre, affirment qu'elle devrait avoir des préoccupations personnelles. Entre parenthèses, bien sûr, sport-travail à l'extérieur, qu'il aiderait à s'épanouir dans sa vie personnelle et à s'assurer une autonomie financière. Rédige un texte argumentatif dans lequel tu défends ton point de vue à l'aide des arguments et des exemples précis. Très bien. Alors, on a lu le sujet. On a compris, bien sûr, qu'il s'agit d'un sujet en rapport avec la boîte à merveilles, bien sûr, parce que la maman de Sidi Mohamed, elle reste chez elle. C'est un sujet en rapport avec ce module. Alors, qu'est-ce que je fais? Je reviens aux étapes, j'ai lu le sujet. Alors, deuxième chose, je vais isoler. Alors, ici, le thème, c'est la femme, le travail de la femme. Alors, est-ce que la femme, elle doit travailler? Il y a d'un côté certaines personnes qui pensent que la femme devrait rester au foyer, les autres, ils disent le contraire, bien sûr. Elle doit travailler pour s'épanouir, etc., etc. Alors, on doit noter ici que le thème, c'est le travail de la femme. Il y a des mots qui sont importants comme rester au foyer pour les uns. Alors, le premier. Pour les autres, ils disent qu'elle doit avoir des préoccupations comme le travail, etc., etc. Alors, j'ai souligné, j'ai entouré, j'ai marqué les mots les plus importants dans mon sujet. Alors, pourquoi je n'ai pas recopié, bien sûr, cette dernière phrase ici? Tu rédiges un texte argumentatif dans lequel tu défends ton point de vue. Alors, parce que c'est une phrase qui se répète dans tous les examens régionaux. Mais il faut faire attention, bien sûr. Alors, ton point de vue avec des arguments, les arguments, ils doivent, bien sûr, exister dans votre production. Et des exemples. Parfois des explications si vous ne trouvez pas des exemples. Mais si le mot exemple existe, vous devez bien sûr présenter, avancer un exemple des œuvres étudiées. Alors j'ai marqué mes mots importants. Je passe à. Alors, le sujet, qu'est-ce qu'il doit respecter? Alors, ici, on a vu que le sujet, il y a certaines personnes et d'autres personnes, ça veut dire qu'on doit, bien sûr, on ne va pas faire « je suis pour seulement, bien je suis contre », mais il est préférable, il vaut mieux, dans ce sujet, d'écrire un texte pour et contre, ça veut dire un plan dialectique. Mais si vous faites, bien sûr, seulement pour, vous avez seulement des arguments pour ou bien seulement des arguments contre, vous rédigez votre production simple, dans un plan simple. Alors ici, un exemple. Alors c'est un exemple que vous devez noter bien sûr chez vous. Alors vous n'avez pas fait un point pour commencer l'introduction. Alors nul ne peut nier que le thème est très débattu dans, alors soit dans le monde, dans le Maroc, dans notre société. Sujet partage vos opinions en deux catégories. Alors les uns pensent qu'il faut faire, etc. Et les autres, ils pensent le contraire. C'est comme la peine de mort par exemple. Il y a des personnes qui sont pour la peine de mort, des autres qui sont contre. Alors, on peut utiliser, bien sûr, ce schéma, ce canevas, ce squelette, pour les sujets dans lesquels on trouve pour et contre. Très bien. Alors, on passe à l'application, l'exercice. Alors, on a le plan vide ici, comme on l'a vu tout à l'heure.
Alors, qu'est-ce qu'on doit marquer? Le thème. Bien sûr, pour remplacer ici thème, c'est le travail de la femme. Alors, la thèse, ou bien les uns qui pensent, les premiers gens qui disent, alors que la femme doit rester, les autres, ils disent la femme doit travailler. Alors, ici, c'est le résultat de l'exercice. Ici, le schéma vide. Ici, les mots qu'on doit utiliser, bien sûr, on doit remplacer. Et ici, le résultat. Il ne peut nier que le thème, c'est le travail de la femme, est très débattu au Maroc ou bien dans notre société, etc. Parce que dans le sujet, on avait quoi? On avait, alors certaines personnes, que la femme marocaine, ça veut dire on va parler du Maroc. C'est pour cela que j'ai mis ici Maroc. Sinon, on parle de la femme au niveau mondial, on va écrire au monde. Mais ici, on a parlé de la femme marocaine, on va écrire Maroc. Ce sujet partage les opinions en deux catégories. Les uns pensent que la femme doit rester chez elle et s'occuper. Alors, on a remplacé thèse par la couleur bleue et l'antithèse par la couleur mauve. Alors, pour la problématique, alors ici, j'ai choisi une problématique qui est simple, qui a raison. Vous pouvez dire quelle est l'opinion la plus raisonnable, quelle est la partie qui a une opinion raisonnable, etc. Très bien. Alors ça, c'est le résultat que vous devez noter et ça, c'est l'application la plus importante. Il y a quelques petits conseils qu'on a déjà traités dans la vidéo précédente. Alors dans l'introduction, on ne doit pas donner des arguments, bien sûr. On ne doit pas donner notre point de vue, si je suis pour ou contre, etc. Et dans la problématique, je ne peux pas, bien sûr, poser une question à moi et dire est-ce que je dois être pour ou contre, ou bien au correcteur qui corrige, est-ce que tu es pour ou contre? Non. Alors, un petit conseil pour écrire l'introduction. Généralement, on utilise le « on ». On peut utiliser le « je », bien sûr, mais pas dans la problématique, la question. Ici, on parle de la problématique, bien sûr. Enfin, merci de votre attention. Et dans les prochaines vidéos, vous allez bien sûr voir l'introduction dans leur plan simple. Ça veut dire soit on est pour, soit on est contre. Un développement avec le plan simple et... une troisième vidéo, c'est le développement dans le plan dialectique. Alors, pour nous encourager à faire d'autres vidéos, s'il vous plaît, abonnez-vous et laissez un j'aime sur cette vidéo. Merci à vous et un bon ramadan pour tout le monde. Merci.